Tu vois, on te retire tes... Ben, c'est bien, grand. Moi, j'aurais bien été jusqu'à repasser ça. On ne peut plus rien bouger. Viens voir, Philippe. Est-ce qu'on peut repasser? Parce que enfin, c'est joli, quand même. Oh, tu me fais voir quand tu me dis. C'est un petit peu long, peut-être, non? La manche? Oui. Un petit peu. Ça te gêne pour le pincer? Non, mais c'est qu'il le dit systématiquement quand c'est long. On peut le dire, on ne sait pas si c'est pour ça avec machin. C'est bien gênant, de manche. C'est long. Ouais, mais en tout cas, c'est... Moi, j'aurais repassé le décolleté. Et t'as qui cette jupe? C'est la fameuse jupe de Frédéric. On peut se faire un centimètre. Hein? Et pour se passer en fin de journée. Bon, c'est bien. On n'a pas beaucoup de retouches, il y en a. Oui, c'est tailleur. Ces petits tailleurs courts, c'est chic avec la jupe. Ah oui, un peu long. Moi, je trouve, monsieur. Ça va accentuer. Ce côté longiligne, oui. Cette silhouette comme ça. Oui. Surtout si vous jouez avec les deux tons noirs et une couleur, c'est beau. Parce que ça, ce sera, je dis noir et ça, pied de poule, vous voyez. Ah oui, deux couleurs, deux matières. Voilà. On va peut-être pas aimer ça. Je sais pas, d'ici, c'est très joli ce que je vois. Ça creuse un peu. Ah oui, ça creuse. Ça creuse, oui. Si on l'aime pas en toile, on la toile. Ça doit faire une silhouette nouvelle. Ben, nous, on a fait un effet. Un effet, mais c'est joli en pareil. Ah, c'est bon, pareil. Bon, comme on peut faire la boucle en gala ou la boucle en tissu piqué. Un pair, trench. Là, je l'ai fait un petit peu plus large que les autres. Oui, celle-ci, bien. C'est joli. Je le trouve comme corps et comme... volume plus beau que celui que vous venez de me montrer. C'est peut-être parce que c'est pas la même fille. Oui, c'est ça. Pas le même tissu. Bah oui. Ça, c'est un crêpe d'Andini. Oui, oui, oui. Celui de Suélène, il peut ne pas avoir de blouse, mais celui-là, il faut qu'il ait une blouse. Parce qu'il n'a pas de ceinture. Oui, oui, il y a pas oui c'est vrai. C'est un tailleur. Oui. Oh, mais c'est joli. Merci, monsieur. On n'a pas mis encore les petits passants. C'est une merde. C'est mignon, hein? Et alors, ces ivoires-ci, les housses de la duchesse de Windsor étaient bleu pâle, comme sa robe de mariée. Très, très joli. Oh, mais non, 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 sans la veste. Ah, pardon, j'avais beaucoup sur la bleue. Oh, excusez-moi. C'est ce qu'elle a demandé, on retire la bleue. C'est l'après-midi, ça va pas. C'est fatigué, ça va ce soir. On est un petit peu gâteux ce soir. Pardon. Oui, ça. M'excusez, monsieur. Je dois dire que moi-même, je suis tout à fait gâteux ce soir. C'est une semaine de pleine lune. Donc. Je crois que... Ceci dit, maintenant, on va faire l'effet de la mousseline marine. Oui. Elle est belle, la mousseline. Elle est très, très belle. Puis là, je vous avais fait un col avec un petit pied de colle, juste avec un chiton. Une jolie petite chemise de petit garçon comme on aime. Oui, oui, elle est ravissante. Bon. Ah, maintenant, on se déshabille. Oui. Et on est sur la fait l'effet de la mousseline marine. Oui, je m'aperçois maintenant, c'est pas la marine foncée. Mais elle est belle quand même. Oui, ça c'est plus marrant. Il aime bien Monsieur Saint-Laurent. Ah, moi j'aime ça. Il aime bien celle-là. Ah oui. Oh, oui. L'autre mousseline serait mieux, la marine foncée. Et ça c'est quoi? C'est noir? Non, c'est marine. Eh bien ça va pas ça. Si. D'ailleurs, est plus beau avec la mousseline marine qu'avec le blanc. On le voit moins avec la mousseline. On le voit moins. Oui, c'est le blanc. Je trouve le blanc comme. C'est vrai.
D'ailleurs, ces écharpes, je vais en faire plusieurs. Mais ma mère en a une qui est parfaite, qu'elle a achetée en boutique il y a longtemps. Chaque fois qu'elle met ses écharpes, c'est très très beau. Je vais lui demander demain. Et on fera plusieurs écharpes des marines. Oui, marine et blanche, et rose. Rémanise. Je vais la mettre un peu à l'intérieur. C'est un peu noir. La mousseline, elle est un tout petit peu noire. Par quoi il va commencer ? Oh, mon gégaru, sa vieille copine Connie. Elle t'a apporté des jouets, Connie. Elle est Connie. Regardez, regardez. Je crois pas. Ah, ça y est, c'est les yeux et, le nez. Le nez, oui, ça, c'est tout de suite. Tout ce qui dépasse. Les unis sous patron de petites vestes pour une broderie. Allez-y. Oui, monsieur. Je ne sais pas ce que je raconte parce que j'ai aucune envie de faire cette veste en broderie. Il va vous le répéter quelques fois. Vous aviez dit monsieur en broderie. Il m'avait dit, est-ce que monsieur Salon a décidé la broderie ? Je me disais, mais où on l'a fait ? Mais où ? J'ai dit, c'est peut-être la structure, oui, pourquoi pas. Avec des boutons. Des boutons, des poches, des... Un revers. D'ailleurs, parfait pour la broderie. Hein. Un petit peu plus petit. Sinon, comment sont les autres ? Oh, celui d'en haut est ennuyeux. Non, est ennuyeux. Celui-ci. Celui-là. Là, il y a les quatre trous qui est assez. Il est rond, celui-là. Oui, moi je trouve aussi. Non, c'est bien. Non, c'est beau celui-là. Mais ça pour faire l'effet du noir seulement. Il est chic. C'est pour vous, on va prendre une taille en dessous, juste la taille en dessous. Allez-y, mes enfants.